Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Et moi j'aime beaucoup Anthem. Toujours beaucoup de respect dans les coms, hein, rappelez-vous. Le tombeau du général Tarsis, on a un contrat à faire, un petit boulot de la part de Bryn, donc on va aller se le faire. Hop. Voilà pour un match aussi. Alors je me regarde Pacific Rim 2. Ok, on y est les amis, c'est parti. Freelancer, c'est Bryn. Salut, ravi de te savoir sur le coup. Pas de soucis, c'est quoi le topo? Les arcanistes étudient la relique des démurges que nous avons récupérée. Les Scars l'ont branché à des machines d'arcanistes. Comme celle qui a créé ces scorpions. Exact. On essaie de découvrir ce que fait cette relique-là. Et pourquoi les Scars y tiennent à ce point? Exactement. Ok, très bien. Hop les... Des licons, du coup, on peut pas aller chercher le... Hop les... Prends mes coups. Oui, je l'avais fait les... Super, tout va bien se passer. Mais, tiens-moi au courant. Compte sur moi. 90% de chance que je me fasse TP. Non, ça va, il me tait. Faut pas ici. Ouais, ça sert pas souvent, on passe tout notre temps au fort. Avec ces reliques des démurges capricieuses, c'est le plus sûr. Bien d'accord. J'arrive. Le critère dit que ça va être énorme. Il va se passer quoi après activation? Les arcanistes sont payés pour nous l'apprendre. C'est sûr. Où sont les autres? Freelancer, quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a? Le générateur d'énergie de la base est HS. Bien reçu, je vais jeter un œil. Bien, ça va. Je l'admets, c'est intriguant. Je sais pas ce que font nos potes, mais... Esquive. Là-bas, d'accord. J'y vérifie. Merde, il est où le indicateur? Ok. Et pourquoi vous avez mis le générateur à 40 millions de kilomètres? Genre littéralement. Ou alors c'est une meilleure. Les Scars sont prêts au générateur. Fallait s'y attendre. Des sentinelles l'ont protégé. Elles vont bien? Je vais les trouver. Je suis avec les sentinelles qui étaient faction. Ils sont blessés, mais en quelqu'un attendu. Louis soit le scorpion d'argent sacré. Aide-les. J'arrive, je brûle tout le monde. Vas-y, ne t'en faites pas pour nous, ça ira. Allons nous occuper de ces Scars, ensemble. Hop. C'est un peu lent le morceau. T'en prie, hein, je donne tout. Encore des Scars. Je suis dessus. Hop les... Ah, j'ai plus de fil. Un instant. Voilà. Bouge pas surtout. Hein. Ah, le mouvement. C'est vraiment quelque chose de surpris comme concept. Hein. Attends, on s'en occupe. Ça recharge. Oh, d'où tu survis? Oh non. Quoi? Oh, j'en ai terminé non. Avec les Scars. Le générateur, c'était qu'une diversion. Ils ont pris la base d'assaut pour s'emparer de la relique. Eh ah, merde. Allez-y, Freelancer, on va se débrouiller. En même temps, ça vous apprendra, moi je veux dire. Freelancer? Oui. Non, c'est bon.
Je peux vraiment pas les encaisser, ces scars. Ah mais en même temps, tu mets ton générateur à 3 km de la base. C'est mérité ce qui t'arrive, hein. Désolé, hein. Mais là, les pertes d'énergie, quoi. Ah tiens, on a un plomb qu'à sauter. Bah attends, j'envoie un mec, il en a pour 2 jours. Oh, débile. Ça va chier. Je suis de retour à la base. Hors de question que les Scars s'emparent de cette relique. Je vais trouver une solution. C'est moi qui vais trouver une solution. Occupe-toi des Scars. Ah, ça vise automatiquement, c'est nul. Ouais, la honte. C'est la honte. C'est bon, on l'a eu. Ouais, je trouve aussi. Hein. C'est joli ça. Cette zone, compte sur nous. Ok. Je vais dessus. Déçu, mais je suis forcément déçu. J'ai quand même balancé mon. Ils veulent pas brûler. C'est bon, on brûle. Allez. Ah, c'est nul. Ah. Allez, c'est mérité. Je chie bâche. Y'a que ça devrait. Ah, ils y survivent maintenant. Hein. Ah, c'est pas beau. On arrive dans le. Je dirais pas dans le endgame, mais presque. Oh, oh, Simone! Attrape-la et sauve-toi. Que j'attrape quoi? La relique. Les Scars n'en ont rien à carrer de la base. Ce qui les intéresse, c'est la relique. Ils te suivront. Entendu. Oui, madame. Il y a déjà Zouanu qui est devant. Parce qu'il l'a profondément dans la nuit. C'est bon, tu l'as. Elle est instable. C'est quoi? C'est génial, hein. T'as le mec qui a un shield et pas beaucoup de PV. Les arcanistes voulaient savoir ce qui peut pas voler. Associer la relique et leur machine. J'ai trouvé un moyen d'arriver plus vite au résultat. Éloigné d'ici, elle a déclenché. J'ai rien d'autre en stock, c'est ça ou rien. Ça va, je prends. Incoming! Justice reigns from above! Viva! Pas par là. Ouh! J'ai droit à mon petit groupe! Touché avec la mitrailleuse! Mais il a attendu que ça! Bien enfoiré! Mais qui combat à ma place! Bon, on dira, c'est le. Bien sûr, Sentinel Brin. C'est le but du genre endgame, hein. C'est un qui enclenche, l'autre qui déclenche. Ici! Salut!
Oh, je le sens mal. Et elle génère des créatures débarrassées. C'est ce que je fais. Et répare cette relique. Tourne sous moi. Et de 1. Ici, un fragment. Nickel, arrange-le. Freelancer, notre ami Crypteur a repéré des scars dans ta zone. Ok, hop, je m'occupe. Et moi, je veux faire les scars. Démerdez pour faire les events, hein. Enfin l'event. C'est moi qui récupère, on va prendre le temps, hein, et pas les coups. C'est moi qui vais aller les chercher. Hein. Il faut que tu récupères les fragments. Ouais, bah c'est pas moi qui vais le faire, je te dis. On a des copains pour ça, ils vont le faire. Je vais pas aller les chercher, pas les couilles. C'est toujours moi qui le fais. Je vais pas. Moi j'attends comme ils font habituellement, j'attends que des trucs viennent. J'ai fait ma part, on est 4, j'en ai fait 1. Pas les couilles. Je demande pas des jeunes les couilles avec le pinceau de l'indifférence. Faut vraiment qu'on piche ces reliques trafiquées. T'as raison, mais j'ai pas trop le temps là. Ah oui, désolé, tire d'abord, on discutera après. J'ai fait ma part, pas les couilles. Ok. Très bien. C'est passé. La bonne nouvelle, c'est que les scars ne vont plus s'attaquer à votre base. Très juste. C'était terrifiant, super dangereux et bien barré. Mais un tantinet impressionnant aussi. Au fait, c'était pas censé être une mission tranquille? Vraiment? Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de souffler. À tout tard, freelancer. À la prochaine, Brain. Oui, bon. Faudrait que je trouve un meilleur bouton. Par exemple, le support, je l'ai mis sur ma souris et j'utilise pas. Donc il faudrait que je mette le shield sur la souris. Mais bon, là ça va se dire. Va falloir que je règle ça. Pour pouvoir le sortir plus rapidement. Pareil pour le corps à corps, j'appuie souvent sur V alors qu'il est sur la souris aussi. Il faudrait que je prenne l'habitude. Et ça va venir. Le gars là, pas adorable, désirable. OP2. Opinion 2. Éradicateur, c'est moi. Nice. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais que le machin, le Storm à gauche, il allait forcément prendre plus d'XP. Il arrêtait pas d'engager, mais à partir du moment où il attendait en fait que j'enflamme les ennemis pour pouvoir les péter. Donc forcément, les combos, il les a tous pris à ma place, quoi. C'est pas une offense hein, que je dis ça, hein. C'est juste que bah, c'est normal qu'il ait plus quoi. C'est pas dur. Mais bon. On a du 21 qui tombe. Oh nice. Nice. Allons-y. Toujours pas au niveau 18. Au niveau 18, on débloquera un nouvel emplacement pour un nouveau composant. C'est cool. 8 et 23. Renforcement structurel, il me semble qu'on en a un au niveau supérieur. Entre 21, assaut lourd et stockage colossal.
C'est de l'ordre du détail, mais... ça fait la différence. Je suis pas méga fan. Il est qu'en vert. Il est que en vert. Ok. Et ça, bon, en parlons même pas. Très bien. Allez, la chouette. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va avoir comme dialogue peut-être aussi? C'est un peu long les temps de... je reconnais. Je suis sur le SSD. Hein. Hop les. Hop. Hop. Où est-ce qu'il est? 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 On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ok. Alors. Qui veut parler? Apparemment, Liam Neeson veut parler. Non, même pas. La chroniqueuse et Sentinel Brain. J'ai pas à m'excuser. Hein. Désolé, mais je vais pas m'excuser. Cordialement, allez te faire foutre. Y'a plus de monde ou c'est moi? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde en fait à Port Arthis. Salut Brine. Je t'aime. Tu ne peux pas m'aimer autant que moi. Je t'aime plus, Hansen. Mais Hansen est trop carriériste. Ça sortait d'elle. Du temps à batifoler. Surtout maintenant que le pouvoir ultime a été libéré. Ok. Salut, qu'est-ce que tu fais? Oh, je t'avais pas entendu arriver. Maintenant que nos balises ont repris du service, je peux de nouveau localiser les scars autour du fort. Et les arcanistes aussi ont l'air satisfaits des infos qu'ils ont reçues. Des informations utiles? Ça peut leur permettre de nous aider à combattre les scars? À long terme, peut-être. Ça aiderait beaucoup, mais pas tout de suite. À long terme, peut-être? Je t'ai jamais entendu parler de l'abattage de Scar avec autant d'apathie. Non, c'est... Je veux dire... Oh! Mais t'as été d'une grande aide. Tu mérites une explication, si tu en veux une. Eh bien, merci. C'est gentil de ta part. Je t'écoute. Je sais, je t'en prie. Lentement, mais sûrement. Je connais qu'une partie de ce que les arcanistes ont découvert. Mais selon eux, leur recherche pourrait à terme éliminer totalement les Scar. En tout cas, ça veut dire qu'on a encore du boulot. Toi et moi, on fait une bonne équipe jusqu'à présent. Si on continue comme ça, peut-être que mes supérieurs valideront ma prochaine permission. Ce sera un défi. Ce sera pas facile, mais on peut y arriver. Je commence à me rendre compte que tu recules devant rien. Ça fait partie de mes règles. Ça, et ne jamais manger de galapin braisé avant d'aller se coucher. Ça se tient. Bon, ça doit être bon, le galapin braisé. Enfin, je sais pas, ça me dit comme ça, ça me semble plutôt bon. Hein. Bon, à titer, madame la connasse. Pardon, madame la vieille connasse, excusez-moi, j'avais oublié. Salutations, chroniqueuse. Freelancer, je... T'as des excuses à me faire? Je suis heureuse de vous voir. Vraiment? Oui. Par chance, vous êtes assez brave pour approcher votre adversaire, tandis que j'ai été... lâche. Lâche? Vous? Après notre dernière rencontre, j'ai lu le texte que je vous ai donné. Comment s'excuser? Je me suis rendu compte que j'ai manqué d'objectivité. Que j'avais peut-être un problème. Non, non, je suis désolé. Pourrez-vous me pardonner? Je suis trop gentil, putain. Bien sûr que je vous pardonne. Vous en vouloir serait inutile. Une phrase pleine de sagesse. Mais j'imagine que je vous dois une explication. Seulement si vous le voulez. Le problème, c'est que... Je suis trop gentil. Que j'ai peur. Vous avez peur? Il fut un temps où les freelancers me donnaient un sentiment de sécurité. Des dizaines de guerriers qui neutralisaient les cataclysmes, qui gardaient les scars à distance. Mais ensuite, Liberalia a été détruite. Et puis les freelancers ont voulu pénétrer dans le Maelstrom. Je sais, j'étais là. Maintenant les scars sont hors de contrôle, et le Dominion récupère des reliques pour je ne sais quelle raison. Et ça me rend folle, mais je ne peux rien y faire, vous comprenez? On
T'es vulnérable, ouais. Oui, mais pourquoi vous ? Pourquoi nous ? Je comprends que vous soyez en colère, mais c'est pas de la faute des freelancers. Un autre maelstrom pourrait survenir n'importe quand, et personne ne pourrait l'empêcher. Moi, je l'empêcherai. Ou du moins, j'essaierai. Et si ça ne suffit pas ? Il y a les sentinelles, les ingénieurs, les arcanistes, sans parler des boulangers, des médecins, des gestionnaires. Les gens aideront à leur échelle. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Non, vous pensez que c'est possible ? Non. Faut savoir tourner la page. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Je sais. Le changement est inévitable. Il ne peut être arrêté. Mais voilà. On peut améliorer les choses. Vous vous sentirez à nouveau en sécurité. Que vous y parveniez ou non, je... On peut regagner ce qui est perdu, mais on ne peut pas reprendre ce qu'on a perdu. Bonne journée, freelancer. Complètement différent. Regagner, ça veut dire travailler pour le retrouver. Reprendre, ça veut dire récupérer ce qu'on avait avant. Ah là 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 là. Je l'aime pas, hein, je l'aime pas, mais je suis trop gentil, je suis trop bon, trop con. Faut qu'elle change, si c'est elle qui fait vraiment la pub anti-freelancers, faut vraiment, j'aurais vraiment dû être méchant pour qu'elle puisse changer d'avis. Enfin bon, faire de la pub pour être... Oh putain, ça c'est bon ça. C'est quoi ça? C'est vrai que c'est de la confiote. Putain, si c'est de la confiote, c'est bon avec du pain. Oh, j'ai la dalle d'un coup. Très bien, la chouette. Merci. On a de la quête principale à faire. Désolé pour la chaise. Je suis en partie des plus cons. Changer de mission, on en a qu'une de toute manière. Le tombeau du général Tarsis. Très bien, allons-y. Et des consommas, faudrait que j'aille voir ce que c'est que les consommas véritablement. Si c'est véritablement chiant aussi, ça doit pas être. Est-ce qu'il y a des gens pour faire cette mission principale? Magnifique. Bon, on y est. Et apparemment, Kazé n'est pas encore là. Connexion établie. Ça me fait bizarre de refaire ça. C'est comme tomber du haut d'un mur. Tu te rappelleras comment on fait sans problème. C'est pas ce qu'on est censé faire avec les murs. Je te transfère les coordonnées. On y va, Owen? Tu veux participer aussi? Non. Vous savez ce qu'on dit sur les crypteurs? Un, ça va. Deux, c'est déjà trop. C'est pas comme ça qu'on dit. Owen. Bon, bah je rejoins l'amplificateur alors. Bon, on va finir par y aller, oui. Où est-ce qu'on va? Le tombeau du général Tarsis. Vraiment? Tarsis elle-même? Si on en croise Zim, c'est bien ça. J'espère qu'on trouvera son javelin enterré avec elle. Le javelin de l'aube. Tu connais la légende du général Tarsis et de la montagne? Un conte pour enfants. Elle affronte un monstre venant d'une tempête et vole sa voix pour fabriquer une épée. Oui, mais on sera tous d'accord pour dire que le Maelstrom est un monstre. Il marque un point. La merde ce temps. Raté. On va mettre le shield d'abord. Ça marche pas contre les... Très bien. Projection. Monsieur l'intercepteur. Passe pas la porte. Et j'en... Oh, tellement d'agilité. Tu devrais plus être loin du tombeau. Tu penses vraiment que le monstre que le général Tarsis a combattu était le cénotaphe? Honnêtement, j'ai hâte de le découvrir. Je détecte des transmissions du Dominion dans la zone. Jax, par où? Ah, c'est par là. Eh bien, soit. Allons-y. Je crois que j'ai déjà été y faire un tour en plus. Mais bon. C'est parti. Utilisez le feu contre vos ennemis pour appliquer des dégâts supplémentaires sur la durée et les rendre vulnérables au combo. On est en vrai. Regardez-moi cet endroit. Tiens, tu me bloques. Maintenant, j'aime qui essaie d'escalader mon amplificateur pour regarder. Vous pensez vraiment que c'est le tombeau du général? C'est ce qu'on va découvrir. Faut faire attention. C'est pas parce que personne n'a réussi à le trouver toutes ces années qu'il est vide. Il est vide? Ah, il est nul ce mortier. Super explosif. Il y a longtemps que je suis rentré, je crois. Mémoire. J'ai pas encore débloqué ces. Je
le... Lui, il peut pas faire ça. Je sais pas si ça marche. Cassez-vous de mon chemin. Du bleu qui tombe. Ton équipe a découvert une porte verrouillée droit devant. Le mécanisme de commande doit être loin. Un mécanisme de commande. Voilà les commandes de verrouillage. Regarde ce que tu peux faire. Ok, le mec connaissait le code. Fais preuve de respect, tu es en présence du général Tarsis. Merci. C'est gentil de penser à bébé. Après ce gros, je viens la prendre. On sent, limite, ça termine. Il y en avait deux. Faire ce que je peux. C'est vraiment la seule chose à faire contre ces saloperies. Ouh, il y a encore du bleu qui tombe, dis donc, on est à plat, il fait tomber du bleu. Par contre, je crois. Bon, vous en finissez les mecs, que je puisse en finir moi-même. Ok. Encore une porte. Oh là là. D'autres portes. La Légion a bien scellé cet endroit. Évidemment. C'était pour protéger le dernier repos de leur dirigeante. Hop. Je suis trop fort. Il y en a plusieurs. Vous êtes con comme vos pieds, c'est pas possible. Tu devrais inspecter un peu cette salle. Il pourrait y avoir des indices. Oh là là, la débilité de certains, c'est incroyable. Magique, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est ? Ah, le petit faux. Ah, là j'en ai un. Triangle avec deux traits. Et l'autre, on sait pas ce que c'est. Où c'est vous ? La solution de l'énigme doit se trouver près des pieds d'Estou. Va regarder par là. C'est bon, top! C'est bon. La porte s'ouvre. Bon travail. Le tombeau. Nice! Mis à part une grande statue, il n'y a pas de... Faye, aucun signe de javelin, mais je crois qu'on a trouvé le général Tarsis. Ils ont marqué sa tombe avec son signé. L'ancien jusqu'au bout. What the fuck? Si c'est vraiment le sien, vous savez ce que ça veut dire? C'est peut-être la clé de la forteresse de Loom. Oui! Je crois qu'on a un problème. C'est une projection très puissante d'un crypteur.
Freelancer, ravi de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez? Comme vous, je veux son javelin. Celui qui a conquis le Maelstrom. Pourquoi? Vous aimez l'histoire, c'est ça? Quelqu'un se doit de reprendre son œuvre. Et je mérite de perpétuer son héritage. S'il veut gagner du temps, on va s'en servir. Fais-le parler tant que je pirate les transmissions du Dominion. Vous vous prenez pour le nouveau général Tarsis? Eh bah, je savais pas que le Dominion pouvait délirer à ce point. Rien ne nous oblige à être ennemis. Vous croyez que le Cénotaphe m'apporte, ou même le Maelstrom? Tout ce que je veux, c'est l'hymne de la création. Imaginez tout le bien qu'on pourrait en tirer. Nous pourrions créer un futur idéal. On doutait un peu. Imaginez disposer d'un pouvoir de création pure, plus important que celui du général Tarsis. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'avenir des habitants de Bastion. S'ils vous sont si précieux, gardez-les, et donnez-moi le javelin de l'aube. Un vieux javelin rouillé, contre toutes ses vies. C'est généreux, vous ne trouvez pas? Ils cherchent ta position. J'ai repéré des soldats du Dominion dans la zone. Non, jamais je ferai ça. Dégagez de ma vue! On a toujours pas le javelin, du coup. Toujours pas de javelin. Et des ennemis en route. Les forces du Dominion sont déjà dans le tombeau. Dépêche-toi de sortir. C'est tu parti. Dois pas perdre le signet. Ah, je peux pas sortir. Est-ce que ça va aller? C'est bon. Allez, je passe devant. Casse-toi, je passe devant. Casse-toi, je passe devant. Oh le chien. C'est moi qui ai un bouclier dans le coin. C'est à moi de passer devant. Faut pas chier. Bah les couilles. Fuck it, bitches. Désolé, j'ai raté. On peut maintenant. Merci, merci. Merci beaucoup. J'ai plus de kill. Ok. Nettoyage. Service de nettoyage, bonjour. Je vais te cramer la gueule, hein, j'en vois les coups. Voilà. Veuille ou que tu veuilles pas, tu vas brûler comme tous les autres. Oui, mec. Derrière vous, vous avez laissé des gens. Vous êtes pas bon. Boum. Merde, les yeux qui piquent. Pense à cligner des yeux. Ça clignote. Ça clignote. Ah, salut. Là, je t'ai eu. C'est sûr au moins. Allez, on continue. Il est où? Salut. Quoi? Encore la barrière. Quoi les mecs? J'en ai tué je sais pas combien. Le tombeau semble calme, mais il y en a d'autres à l'extérieur. Ils abandonnent jamais, hein. Ah. C'est dans l'œil. Ah. Comment je vais faire pour viser? Je devrais être un vrai soldat, je devrais m'arracher tous les cils et tous les poils du corps. Pour éviter qu'ils n'arrivent malencontreusement dans mes yeux. Parce que même les poils de pied, ça peut arriver malencontreusement dans un œil. Cherchez pas comment. Bon, c'est pas le nez aussi. Les poils de nez aussi, ça arrive dans les yeux. Chez moi, ils sont plutôt proéminents. On vient très. Le meilleur moyen d'améliorer les récompenses hebdomadaires du système d'alliance reste de terminer les missions. Elles vous permettront de déverrouiller des options de personnalisation. L'équipe est tombée dans une embuscade à l'extérieur. Va les aider. Salut. J'y vais uniquement en courant. Bah, je peux pas. Hein.
place parce que c'était ma famille. Léo ? Et le respect dans tout ça, c'est mort ? Ok, allons-y, progressons, allons chercher nos copains. Ok. C'est l'heure du smash! Bah. Par la porte! Wouhou! Salut toi! Je crois que c'est fini. Pas passé loin. Je commence à en avoir marre. J'avoue que je pensais pas rencontrer autant de problèmes. Moi non plus, mais les problèmes, c'est un peu. C'est la deuxième fois que je tombe sur l'observateur. J'aurais préféré combattre un Ursix. Stylé, hein. C'est stylé. Je sais pas s'il y a différents shields, différentes lames. Mais c'est stylé. C'est ultra stylé. Une partie de l'équipe est retournée à l'Arpenteur. Il est temps de rentrer. Ah, c'est tout ce qu'il fallait faire, réussir à retourner à l'Arpenteur. D'accord. Légère déception. Le tombeau du général Tarsis, c'était cool. Mais franchement, ouais, j'espère qu'il y aura d'autres shields, d'autres lames pour le intercepteur, etc. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle skin qui corresponde, vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, les bras devraient être, selon moi en tout cas, en mesure de faire changer la tronche du bouclier, clairement. Clairement. Du bouclier, des lames, peut-être les jambes pour les lames, parce que finalement, ce sont les jambes qui, eh bien, stocke les lames. Vous pouvez voir là d'ailleurs affichées. Par contre, après, c'est vrai que pour le ranger, pour l'autre, c'est compliqué d'avoir ce genre de personnalisation. Sauf si, je sais pas si le tempête, il a un projecteur de bouclier, vu qu'il a un bouclier bleu tout autour de lui en bulle. Je sais pas s'il a un module de projection du bouclier, ça pourrait être intéressant de savoir ça. Et donc, Kiki Metteur. Il a fait mieux le 4500 là-bas. Il a fait beaucoup mieux. Torrent, nice. Par contre, ouais, c'est pas assez rateur. Ok, c'est pas pété. Hein. C'est pas pété. Bon, très bien. Tiens, j'ai pas eu le droit à choisir où est-ce que je retournais, donc on va devoir se taper une cinématique à mon avis. Voyons voir. Ou une deuxième mission. Bon, jamais. Alouk, je vais bosser Owen. Hey, je pensais pas que tu t'en sortirais. Apporte ses supports au cockpit et verrouille le panneau de commande. Amplificateur sécurisé. Les commutateurs. C'est bon, je m'en suis occupé. On dirait que tu sers à quelque chose, finalement. Et je parle pas de l'observateur que t'as mené droit sur nous. Attends, t'es sérieux ? Elle est bien bonne, celle-là, n'importe que... Le cockpit est sécurisé. Ce boulot est déjà assez dur comme ça sans pour autant les avoir sur notre dos. Comme si c'était de ma faute. C'est toi que l'observateur pourchassait, pas moi. Et sans nous, tu n'aurais pas trouvé le signet du général. Avoue-le, t'avais besoin de moi. Et ça n'a pas changé. Besoin de toi ? Je n'ai besoin de personne. Putain, assez, quel gros con. Il y a plus important pour l'instant. Ce qui intéresse l'observateur, c'est l'hymne. Fait. On croit que le Dominion convoite le pouvoir du Cénotaphe, mais le Cénotaphe n'est rien. L'hymne de la création, voilà ce qui compte. Celui qui le contrôle, contrôle tout. D'accord, mais à quoi ça pourrait lui servir ? À quoi tout. Pourrait lui servir ce pouvoir ultime de création et de destruction ? À devenir un dieu. Fait. Que l'hymne en soit capable, c'est une chose. Encore faut-il trouver comment ? Personne ne peut contrôler l'hymne. Si les démurges ont échoué, le Dominion échouera. Écoutez-moi ! Il l'a entendu. J'en suis certaine. Sa voix le trahit. Je le sens. Il ne s'arrêtera pas. Pas avant d'avoir tout compris. Je le sais, j'en suis sûre. Bon, ok, vous savez quoi ? Il y a au moins une chose sur laquelle on est tous d'accord. C'est que ça devient salement dangereux par ici, pas vrai ? Et comme le cryptage, c'est Faye. Qui s'en occupe ? Eh ben... Bah, je pourrais vous suivre sur le terrain pour vous couvrir. Owen. Et ce vieux javelin, là, je pourrais carrément le piloter. Non.
Non. Ça, c'est le mien. Du sur-mesure. T'arriverais même pas à marcher avec. Mais je pourrais carrément... Non! Tu sais rien. Tu ignores tout des effets du Maelstrom. Je m'en sortirai. Vraiment. T'as déjà combattu à l'extérieur? Les scars. Les chimères. Je peux apprendre sur le tas. Owen, tu te souviens du désastre chez Zim? T'as failli y rester. Laissez-moi au moins essayer. Tu es un crypteur. Presque tous les crypteurs qui ont approché cette tempête ont perdu l'esprit. Si on te confie un javelin et qu'on essaie d'atteindre le cénotaphe, tu vas tous nous faire tuer. Ce n'est pas le moment. Voilà, c'est surtout ça en fait. Tu choisis pas... Ok. Quand on est tranquille, quand il se passe plus rien entre guillemets et qu'on peut sortir pour le plaisir, il devrait réagir là. Mais il sort que quand c'est... il sort sa grande réplique de volonté de d'aider... qu'au moment où c'est le plus critique. C'est à lui d'apprendre et de se fixer ses propres limites. Ouais, j'imagine. Bon, écoute. T'avais raison. Détail, il a les mains pleines de cambouis. Pour être sincère, je pense que je ne suis pas prêt à affronter tout seul les lanciers du Dominion. En même temps, je ne sais pas qui pourrait l'être. On a besoin de toi pour réussir. Alors bienvenue à bord. Alouk, je... Merci. Elle se rend compte des efforts qu'il a fallu. Je vais faire chauffer l'arpenteur. Ah, je croyais t'aller faire chauffer le café. Oh, tu fais chier, j'ai cru au café pendant un temps. Ah, ça lui a fait mal. Passe me voir quand tu seras prêt. Compte sur moi, même si Owen va me manquer, hein, honnêtement. Faudrait qu'il fasse comme dans les jeux style MOBA. Tu peux choisir qui te parle. Et maintenant, la forteresse de l'aube? T'as toujours 10 coups d'avance, je t'écoute. Je peux utiliser le signet du général Tarsis pour débloquer les portes. Ses connaissances sur les cénotaphes doivent se trouver à l'intérieur, et son javelin aussi. Ce vieil Ixo, il peut vraiment nous faire traverser le Maelstrom? Ça se tente. Tu veux que je fasse quoi? Que je reste assis dans un coin à faire de la figuration? Guette l'arrivée de l'observateur. Et s'il se pointe? Personne ne doit entrer dans la forteresse à part nous. Je ferai en sorte qu'on puisse accueillir tout ce qui se présentera. Bah bon courage. Owen. Hey. Owen. Owen. Oh putain. Bon, il est pas content, Owen. Hein. Ça se comprend, hein. Franchement, ça se comprend, mais bon. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah il y a du monde à qui parler, ça c'est clair. Et on se fera ça dans le prochain épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Ajoutez-moi sur Origin si vous voulez venir jouer avec moi. Monsieur Marcus Bonus, un hein, MR Marcus Bonus. Parce que Marcus Bonus est déjà pris, je sais pas par qui, mais faut que je le retrouve cet homme. Cette femme. Et à demain, salut les gens, et yop!